Et du coup, Seb, le prochain, ça va être celui qui est juste à côté. Je vais essayer de mettre mes plus gros PC, en fait, hein, c'est ça que je voulais faire. Ah, d'accord. Frérot, c'est bon là. Ah, je vais construire une vraie team là, tu vois. Bon, moi j'ai déjà lancé, comme ça. Si j'arrive sur le deuxième, je pourrais te dire ce que c'est avant. Ok. Avant que t'arrives. Nickel. On va changer un peu. Je vais mettre Entei. Il y a une attaque feu là. Ok. Entei. Et après le dernier, on va mettre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Électrique. Électrique, c'est bien. Pour le petit Hermure, non? C'est un Hermure. Tu vois? Hermure. Allez, on lui envoie que des Pokémon hyper balèzes, frérot. Là, là. Ah. On va le fouetter. Tama, le bêto chef. Il met des coups de poutre là. Des coups de poutre en béton, les gars. Il est pas. Il blague pas. Il est pas commode, le frère. Tu veux pas avoir lui en videur de soirée, tu vois? C'est mort. Il en a deux. Balèze. Là, je regarde la caméra, c'est parce que là, il y a des coups de vent là, frérot. Regarde comment ça bouge là. Ouais, ça bouge, ça bouge. Wow, wow, On wow, bouge avec la wow. caméra, même si vous voulez. On est prêt à partir, à courir là sur la caméra. Allez, on vous lui balance de l'électrique un peu. Ça va changer. Eh, mais par contre, frérot, regarde Zekrom, comment il est lent quand il attaque. Le troisième, c'est un tyran. C'est un tyran? Ouais. Donc ça va. Si t'as encore ton combat, t'es bien. Ouais, mon bêto chef, il est encore là. Hein. Nickel. Tyran, ce qui est bien, Seb, c'est qu'il fait mal. Mais du coup, si t'es sur le mauvais Pokémon et t'as pas le cooldown pour changer, bah il te permet de changer rapidement, tu vois. Ouais. C'est son côté flex. Mais je vais quand même électrocuter. Électrocution. Électrocution. Pikachu, attaque. Attaque électrocution. Ah, finalement. Finalement, mon bête de chef va rentrer, finalement. Il est défatigué? Ouais. Ok. Ça arrive. Outre. Ça arrive, ça arrive. Ok. I'm ready, man. Moi aussi, j'attends juste que tout ça parte. Je croise toujours mes doigts et 3, 2, 1, shiny check. Hop, pas shiny. 202. 201. C'est fou. Bah franchement, c'est chaud. Hein. C'est fou. C'est chaud. Non mais, de toute façon... On n'a même pas vu genre 240, tu vois. Ouais. C'est ouf. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, j'ai l'impression, comme on l'a dit, c'est toujours des trucs plus vers le bas. Hein. C'est plus vers le bas que vers le haut. Ouais. Voilà, tu vois là, 100% PVP lui. 0. Ah ouais, il est bien. 11, 13. Ah bah écoute. Bref, il va pas servir, mais bon. Est-ce que il y en a d'autres, tu penses, dans les tueries? Il faut qu'on fasse un petit tour des tueries, les amis. On va faire un tour. Ça. Ouais, là, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 Pokéstop. On va aller checker. On va voir si on tombe sur un cliff direct ou pas. En tout cas, on vous reprend là. Allez, à tout de suite. C'est parti. Seb, est-ce que tu es prêt pour le prochain? Je suis prêt, moi. Celui-là, mon gars, je te propose de l'éclater en 2-2 et on se retrouve pour le shiny check, c'est bien ou pas? Allez, let's go, on va faire ça. C'est bien comme projet, non? Ah oui, et juste avant, Seb, le Pokéstop, celui-là n'existait plus. Bah en fait, la statue qu'elle représente, le bronze là, ouais. N'est plus là. N'est plus là. Il y a des travaux en plus, hein. Regardez comment c'est, les travaux, elle était là, ils l'ont enlevée. J'espère qu'ils vont pas enlever le Pokéstop, ça fera moins de Pokéstop aux tuileries du coup. Bah en fait, s'il y a quelqu'un qui le downvote ou qui dit ouais, ce Pokéstop là n'a plus lieu d'être parce que comment dire, il n'existe plus. N'existe plus, bah ils vont l'enlever tout simplement. J'espère. Parce que le but en fait des Pokéstop, c'est de représenter la réalité. C'est ça. Et en fait, quand tu vois un Pokéstop dans le jeu au loin, t'as une espèce d'envie d'aller le voir en fait, tu vois, c'est ça le projet de base. J'aime bien moi l'idée comme ça, tu vois. C'est pour ça, on essaye d'accentuer un petit peu... La sortie, la découverte. Ouais. La sortie, ouais, la sortie. On aime bien la sortie. Mais après, bon, malheureusement, tout le monde n'est pas de notre avis. Il y a beaucoup de gens qui ont pris goût un petit peu, hein, de ne pas sortir. Après, c'est pas à tort, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Mais le Pokémon Go, c'est un jeu vidéo à l'extérieur. C'est ça. C'est pas un jeu vidéo console où t'es à la maison, chez toi, tranquille, avec ta Monster ou ton café, ton chocolat chaud, tu vois. C'est la découverte. Tu pars à l'aventure. T'es un dresseur ou t'es pas un dresseur. En plus, c'est le premier jeu à avoir mis en place la RA, t'imagines. Ils nous ont envoyé une notif là, dans le jeu qui nous disait ça. Ah ouais. Ouais, t'as pas vu ça?
T'as pas vu passer cette news? J'ai pas fait attention. Et ils ont dit ouais, premier jeu où il y a eu la RA, donc agenouillez-vous. Mine de rien, c'était en 2016. Hein. Mine de rien, ouais, ça va vite. Hein. T'imagines? Ça fait 7 ans là. Ah ouais, ça passe. Hein. Et on a dit, on se retrouve à l'ouverture du Pokémon, mais frérot, qu'est-ce qu'on parle? J'avoue. On a terminé le truc. En plus, Lagron, il m'a éclaté. Ah oh non, en plus, j'ai pas le Pokémon qu'il faut. Wow. C'est vrai? Non, j'ai mis mon Torterra avant, j'y ai pas pensé. Et du coup, bon. Mais t'as un Maconio. Maconio est très fort contre Lagron. Ouais, je vais le mettre après là. Ok. Je sécurise, tu vois, parce que. Voilà. Là, je vais jusqu'au bout. Notre verrie effective. Allez, là il est mort. Là, j'espère. Boum! Alors? Let's go, allez. Heureusement, il a 4 bras. S'il avait 2 bras, ça passait pas. Ouais, c'est sûr. Clifford, salut mec. Clifford. Cliff, c'est un diminutif de Clifford, non? Peut-être. Après, ça aurait été bien d'avoir des noms différents, c'est selon les pays. Tu vois ou pas? Français, il serait appelé Maurice, c'est obligé. Il a trop une tête de Maurice. De ouf. Allez. Je suis prêt. 3, 2, 1, shiny Tchou. Check. Pas shiny. 202. 15. Ah là 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 là, c'est pas possible. Ça fait 2 fois que t'as celui-là. Hein. 202, c'est la deuxième fois qu'il tombe. Ah là là là. C'est grave. C'est bas. C'est pas. Ouais. C'est bas. Ouais, c'est bas. Mais bon, moi j'ai pas eu moins de 200 par rapport à Ous. Mais lui, il a eu le shiny. Voilà, le seul qui était en dessous de 200, c'était un shiny. Donc ça se trouve, il faut avoir moins de 200 pour avoir le shiny. Tu vois. Ah purée. Alors je lance la map vite fait. Donc ça, c'est celui qu'on vient de faire. Il y en a 3 là. Ouais. Même plus. Ouais. Vers la fontaine, tout ça. De toute façon, toujours la même chose, on avance, on marche. Vous ne le voyez pas, vous, parce qu'on le fait hors vidéo. Ben, on fait plusieurs détours parfois. On ne tombe pas sur les bancs et tout, mais bon, c'est pas grave. C'est le game. C'est le game. C'est le plaisir de Pokémon Go, les amis. Allez, let's go, les amis, on y va pour la suite. Seb, on est devant un nouveau là, ouais. Qui est le vase qui est juste derrière nous. Juste là, vase de pierre des Tuileries. Vase de pierre des Tuileries. Petit cliff de la Team Rocket, donne-nous un petit 100% s'il te plaît, ou au moins un 80%. Ouais, il commence à pleuvoir. Comme par hasard. Dès qu'on a commencé à sortir le premier mot. Bon, en tout cas, on le lance. On le lance, on le fait vite. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher en même temps, on va aller se mettre sous les arbres. Ok, ouais. Je te le propose. Hein. C'est une bonne idée. Allez, let's go, c'est parti. Les amis. Les amis, on s'est caché sous les arbres. Et la première fois qu'on le voit celui-là, il pourra. Ouais. Je l'avais jamais vu. Si j'ai mis le type électrique, tu crois que ça va bien passer là? Je sais pas. J'ai tapé sans regarder et tout. Même moi, en fait, je suis mort une fois, tu sais. Bah là, je suis mort là. Ah bah écoute, ne quitte surtout pas le combat. Ouais, sinon, il va falloir retourner là-bas. Exactement. Regardez où on s'est caché. On s'est caché en dessous d'un arbre qui est juste parfait cet arbre-là parce qu'il y a des feuilles partout, mon gars. Il n'y a aucune goutte de pluie qui tombe, Zeb. Franchement, c'est trop bien. Génial. Ah, et pour moi, je l'ai éliminé. Et par contre, le seul problème, c'est que j'ai perdu mon type combat et ça a posé problème pour le tirage, ah ouais. Je pense. Hein. J'aurais jamais dû garder mon type combat. Je vais mettre un dragon. Allez. Est-ce qu'il a une attaque Il est même lui-même dragon, hein, le Hyperroi. Ouais. Donc il se peut qu'il te fasse mal à ton dragon. Donc dragon versus dragon. Voilà, vous allez vous faire mal mutuellement. C'est la neutralité. C'est ça. Ah mais déjà, tout à l'heure, j'avais pas sauvegardé mon Maconieur. J'avais pas fait attention, le combat, il était parti et tout. Ouais, pareil, bah, moi j'ai perdu mon Bétochef, quoi. Mais bon, du coup, ça va être chaud, là. Là, ça va être chaud, je pense. Ah ouais, mais son dragon, il est plus fort que moi. Ouais, parce que c'est dragon. Dragon, c'est quand même efficace contre dragon, en fait, tu vois. Ouais. C'est pas quelque chose de... Mais j'avais quand même mis un Drattaque et tout, je pensais que ça allait le faire, tu vois. T'as réussi? Ouais. J'ai réussi avec justesse. Ouais, j'espère que je vais réussir. Les amis, pendant qu'on est en train de chercher le prochain, dans les Tuileries, d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Et là, tout le monde a dégainé des parapluies. Regardez, je vous ai filmé un petit peu ce petit passage, c'est trop marrant. Mais il a plu d'un coup, là, j'ai pas compris. Mais là, de toute façon, on est dans la période où il pleut, il s'arrête de pleuvoir, il pleut, il s'arrête de pleuvoir. Ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué pour le tournage parce qu'on n'est pas forcément bien équipé, tu vois, pour la pluie. On va pas se mentir. Hein.
on n'a pas de parapluie à caméra. Voilà. Faut qu'on investisse là-dedans. Je sais pas si ça existe d'ailleurs. Du coup les amis, il y a le bouton rejoindre. N'hésitez pas hein, si vous voulez nous soutenir pour qu'on puisse s'équiper un peu plus. Ouais. Voilà. Merci à tous ceux qui ont rejoint le mois dernier. C'était un truc de ouf. Il y a eu énormément de sub-gift. Ouais, il y a eu 70 sub-gift, quelque chose comme ça. C'est autant dire que ouais. Franchement, vous nous avez régalé. Ouais, merci beaucoup. Et c'est pas parti n'importe où. Oui, oui. Voilà. Bien sûr. On vous le dit. On vous expliquera dans les futures vidéos. Je suis prêt pour le petit shiny check. Eh ben écoute, j'y suis. Presque. J'y suis. 3, 2, 1, shiny check. Pas shiny. 198. Oh, ton premier en dessous de 200. Mon premier en dessous de 200. J'ai 206, hein, aussi... C'est aussi nul. Aussi nul que les autres. Ouais. Commence à faire froid, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Ouais. On va se dépêcher d'aller chercher un autre. Je vous dis... À tout de suite. Les amis, on s'est mis à l'abri et on a eu de la chance parce que il y a un cliff sur une plaque croix rouge et croissant rouge. C'est ça. Voilà. Là, on s'est mis à l'abri parce qu'il pleut de ouf. Et on est en dessous des arcades. Comme vous le voyez, les amis, je vous montre les images. Franchement, on est bien. Là, on est bien. Là, on est bien. On est sécurisé. Par contre, j'ai un bug du jeu, là, frérot. Il veut pas me donner le cliff. Ah, si, c'est bon. Ah, il a mis du temps à venir. Hein. Ce petit cliff a mis grave du temps à venir. Donc, est-ce que ça va porter chance? Torterra, t'aimes bien ce Pokémon. Hein. C'est pas la première fois que je te vois jouer avec. Ouais, bah en fait, c'est un starter. Hein. Il n'est pas tant utilisé que ça, je trouve. Non, c'est vrai, mais bon, moi j'aime bien. Il n'y a que toi et le créateur de Torterra qui l'utilisait, je crois, dans le jeu. Ouais, peut-être. Celui qui a développé. Celui qui l'a inventé. Ouais. Celui qui l'a imaginé. Non, mais je trouve ça stylé, une espèce de demi-tortue mélangée avec. Avec une île. Tu vois, il a une île sur son dos avec des armes et tout. Ah, feu. J'avais oublié. Ouais. Tu vois, genre 3 secondes d'inattention, comment tu peux perdre un combat. Tu peux perdre. C'est incroyable. Bah, on l'a vu ça tout à l'heure. Hein. On s'est juste demandé est-ce qu'on se déplace, on se déplace pas. Tac, on regarde le téléphone, boum. Il n'y a plus de Pokémon type combat. Ouais. Allez, est-ce que c'est le Léviator? Oh, j'ai mon Torterra. Lagron, les amis, Lagron. J'ai mon Torterra, donc ça va aller. Moi, je vais le laisser finir mon Sukun et lui envoyer mon bon petit vieux Beto Chefe. Beto Chefe. Voilà, qui va nous démonter, frérot. Avec 2 poutres. Et une poutre, et on envoie la deuxième poutre. Normalement, c'est terminé. C'est bien. Ça va vite. Hein. Moi, je sais même pas si j'ai besoin de lui faire une attaque spéciale. Voyons voir. Ouh, lui, t'as fait une attaque spéciale, par contre. Lui, t'en as fait une. Je pensais que j'allais peut-être pouvoir aller jusqu'au bout comme ça. Mais il fait mal, hein, le dernier, à chaque fois, il fait super. Il a 4000... Non, 11 522. Quand même. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Je suis prêt. Maurice, mon petit Maurice. Mon petit Maurice. Est-ce que tu vas me porter chance, mon petit Maurice? Là, il pleut plus. Où on est? Si, il pleut, là. Ouais, il pleut, mais là où on est couvert. Ah oui, on est couvert. Allez, Maurice. Shiny check, 3, 2, 1, et let's go. Pas shiny. Non plus. 210. 225. Oh, bien. Genre 225, tu vois, c'est 262. Et là, c'est le meilleur de la série, je crois. C'est le meilleur. On n'a pas vu plus haut. On n'a pas vu, ouais. On n'a pas vu mieux que ça. Ouais, ben, GG. Ouais, c'est mieux que rien. Hein. C'est mieux que rien, en effet. Franchement, ceux qui ont des 100%, des 98 et tout, GG à vous. Hein. Ouais. Hey. Bien mérité. 14, 13, 9. C'est bien. T'as qu'à le purifier, il va devenir 3 étoiles. Non, j'en veux pas. Hey, les amis, on vous le redira pas 2 fois. Un bon obscur, faut le garder en obscur. Ouais, faut pas le purifier. Parce que même purifié, en fait, il perd 25% d'attaque et il devient moins fort, en fait. Bon, sur le radar, on a quelque chose qui est à côté. On a celui-là, là. Juste là. Ouais. Il y en a un à gauche, comme si on va vers l'église Saint-Roch. Ouais. Donc on va voir. Hein. On va avancer. On va voir celui qui est là, sur la droite. Oui. J'espère que c'est un cliff. Ouais. Bon, on va rester sous les arcades hein, quand même. Ouais, on va tourner autour des arcades. Allez, c'est parti les amis. Suivez-nous. Donc celui-là, Seb, ça va être... comment ça s'appelle? Musée du textile. Musée de la mode et du textile. Voilà. Donc regardez les amis, il est... c'est un bâtiment en fait, tout simplement. Ouais. Voilà. Tout simplement, easy peasy. On commence à connaître hein, cet endroit. De toute façon, on connaît le quartier bien comme il faut. Cette fois, on vous met la musique, pour de vrai? Allez, on met la musique. Allez.
trois coups. Allez. Non. Ouf, ouf, t'as eu peur là. Non mais le comptage il était bon. Donc j'ai même pas tilté, j'ai même pas eu peur. Les amis, Seb a enfin fini son tir à nos cibles. Eh, c'était chaud à la fin. C'était chaud Seb, j'y croyais moyen. Ah, mais j'avais encore un autre Pokémon derrière. Donc... Oui, t'avais ton Torterra là de la mort. Torterra de la mort. Allez, on va voir ensemble si on a un bon ou pas. Shiny check et croisement de doigts check. 3, 2, 1 et... 200. 13, 200, tout rond toi. C'est pas une bonne journée, hein, dis donc. Hein. C'est pas grave, en vrai c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On n'a pas le choix. De toute façon, plus t'en fais, plus t'as de la chance. C'est ça. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, on va chercher un autre. Hein. Normalement, là on s'approche de plus en plus de Palais Royal, je crois, c'est ça Seb? Ouais, donc on y va et puis on vous dit à tout de suite les amis. C'est parti. Let's go. Allez, Seb, dernier de la journée, je pense. Ouais, là, parce qu'il pleut trop et ça devient chiant de chercher. Du coup, là, on s'arrête. Ça va être le dernier. J'espère qu'on va avoir enfin un bon. Ouais, celui-là, c'est le Pokéstop. Ce sont deux statues. Ça s'appelle Sculpture Antique Galerie Véro Doda. Et du coup, sur la photo, on en voit une. Qu'une seule, ouais. Et là, regardez, je vous mets les images. Vous allez voir les deux qui sont côte à côte, en fait. Et c'est juste au-dessus d'une galerie. Et le nom, c'est écrit aussi hein, Véro Doda. Voilà. Galerie Véro Doda. Du coup, là, on est vraiment à l'extrémité des Halles, vraiment entre le Jardin des Tuileries et Châtelet-les-Halles. Pour ceux qui ne connaissent pas Châtelet-les-Halles, c'est une zone un peu commerciale. Avant, il y avait pas mal de petites galeries et tout, mais maintenant, c'est vraiment plus des magasins et tout, etc. C'est un centre commercial, en fait. Ouais, c'est un centre commercial qui est très, très grand. Ah, mais frérot, là, le Hipporoi, là, est... Ah bah, du coup, j'ai failli changer d'équipe. Je me suis dit, je remets mon petit magnézone, mais en fait, non. Je sais pas quoi faire avec le Hipporoi là en fait. Il fait super mal d'un coup là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. Pourquoi il est pas passé là? Ah bah... RNG hein mon gars. Comme d'hab. Hein. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. Allez, on va mettre une petite attaque feu. Je sais que ça servira à rien. Mais ça lui fera au moins un petit peu de mal. Ça lui fait rien du tout. Même pas un peu de mal. Je vais essayer de faire rentrer mon Pokémon type combat. Ouh, j'ai réussi avec Betochef à lui mettre une attaque chargée. Ok, moi j'ai épuisé ses boucliers. Je rentre mon dragon. J'espère que ça va aller. Ça, c'est la course là. Et il va m'avoir. Moi aussi, moi il m'a eu. Wouah, eh, franchement, il est lourd. Non, je me suis trompé. Oh là là là. Non. Moi je suis mort. Ouh, j'ai eu chaud. J'ai perdu Seb. J'ai perdu les amis. J'ai eu chaud. J'ai réussi à l'avoir, hein, mais j'ai eu chaud. Hein. Ça s'est joué à un comptage ou deux. J'ai encore mon Torterra derrière, donc je suis safe, mais ça va. J'ai réussi, mais c'était Tandax. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais mettre pour l'Hipporoi, là? J'ai mis un dragon. Moi, j'ai mis Dracolos, hein, t'as vu. Là. Dracolos, il est bien. Dracolos avec pas machin météore, mais avec l'autre. Colère. Colère. Parce qu'il charge plus vite. Je sais pas si j'ai Draco Météore ou Colère. Bon, on va voir, de toute façon. Des... En gros, là, sur le premier, je charge. Tu mets tes attaques chargées, ça? Je les mets sur l'Hipporoi. Les combats? Ouais. Comme ça, ça casse les boucliers. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux boucliers. J'ai oublié ce petit détail. Mais moi, le problème, c'est que j'en ai besoin de ce... Bah justement, dès que je mets le deuxième, je le save. Mmh. Je change, je mets le dragon. Mais il faut qu'il résiste quand même un peu. Bon, ça va. T'es bien, là. Là, franchement, t'es bien. Je suis bien pour le Tira. T'es bien pour le Tira. Et du coup, là, je mets le Dracolos. Et là, je spam. Ah, mais j'ai les deux. J'ai Draco Météor et Draco Griffe. Alors, bah, vas-y, Draco Griffe. Hein. Direct. Draco Griffe, il charge plus vite que Colère. Ah ouais? Ouais. Toi, t'avais pris Colère? Moi, j'avais Colère sur le mien. Oh. Et voilà. Et là, t'es safe. Franchement. L'histoire, elle est pliée en deux. C'était les deux boucliers, il fallait les passer, en fait. Par contre, Tyrannosif, je pense qu'il va faire mal. Je pourrais pas. Dommage. Moi, t'as un troisième Pokémon. On a Zekrom. Le Zekrom, le Pokémon le plus lent de... De toute la Terre. Non. Oh. Ah, j'ai eu peur. Hein. J'ai cru, j'ai fait non. Est-ce que l'électricité, ça va passer sur les cailloux? C'est un peu chaud, mais... Boum. Ça va. Ça va, c'était neutre.
Les amis, le dernier, est-ce que ça va être un bon ou pas? Ouah, il y a une goutte là qui t'a mis un headshot, gros. Mais oui, mais depuis tout à l'heure, je me prends des headshots. Tu es prêt, Seb? Allez, 100%, 100%, 100%. Allez, en fait, je dis tu es prêt, mais moi, je suis pas prêt. 100%. 100%, 100%, 100%. Et 3, 2, 1, shiny check, pas shiny et 13. 26, le plus haut qu'on ait vu. Bien. C'était 25 tout à l'heure, là, c'est 26. Bien joué. Ça fait plaisir. Ah bah écoute, peut-être un 3 étoiles peut-être là. Non, on est trop loin de 260 frère. Ouais mais c'est peut-être le début des 3 étoiles. En fait étoiles, j'ai dit 262 les amis, mais ça se trouve c'est même pas 262. Sérieux? Ça se trouve c'est 242. Tu nous as menti depuis tout ce temps là Seb. Non franchement je crois que c'est 262. Ouais. Regarde, PVP. Ah ouais, inversé, complètement. PVP un peu quand même. Mais tu vois celui-là par contre, tu vois, il me plaît. Voilà, il me plaît bien. T'aimes bien celui-là? Ouais. Tu le gardes? Ouais. Ah bah tiens, il y a un petit Levenard. Un petit Umbrellex dans la nature. Il est pas shiny. Il est pas shiny du tout. Moi, ce qui est shinable, tu vois, je me dis, on sait jamais chaque fois. Bah, en tout cas, les amis, c'était la petite journée de plus sur ce cliff. Ouais. Ça nous a fait plaisir de partager le petit moment avec vous, même malgré cette pluie qui n'était pas attendue. On nous a mis des bâtons dans les roues, quand même. Ouais, franchement, c'était pas cool. Ce qu'on va essayer de faire la semaine prochaine, la même, on va persévérer parce que c'est un jeu de persévérance. On vous l'a déjà dit à plusieurs reprises. Si tu persévères pas dans ce jeu, bah, il n'y a pas de chance. La chance, elle tombe pas toujours comme ça. Elle peut arriver du jour au lendemain, tu vois, un coup sur deux et tout, etc. Mais si tu veux vraiment, il faut donner de soi dans ce jeu. Donc, ah ouais, c'est clair. Là, c'est clair. Hein. Vous voyez bien, on finit la vidéo en étant tout mouillé. Et merci de nous avoir suivis. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. Et la partager. À cliquer sur t'abonner et sur la cloche pour recevoir les notifications de nos futures vidéos. Salut les frambis. C'est Raider. Elle est trop proche de moi. C'est stressant.